et fils, on se retrouve aujourd'hui à la maison. On est avec la Civic de Noémie. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit nettoyage parce que je vous l'avais dit, je crois, dans une précédente vidéo, elle est un peu crado. C'est une voiture qui a vécu et qui était à une petite mamie. Et je pense qu'à l'arrière, il n'y a pas dû avoir souvent du monde, donc elle est crade tout simplement. Pour aujourd'hui, vous avez vu, on a plein de produits. On va tester du Action, que Noah a acheté ça à Action hier. On va tester du Marc Repère et puis d'autres trucs que mon frère avait acheté avant. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est avec la petite Civic EG de ma chérie. La mienne, elle est rangée au chaud là-bas. Aujourd'hui, on va s'attaquer à tout l'intérieur. Un truc qui est vraiment dégueulasse, c'est ça. Alors, flash, ça là, regarde. 1, 2, 3. Voilà, tout ça. C'est dégueu. Berk. Donc ça, on va s'en occuper. Les sièges ont l'air plutôt corrects, donc ça va. Mais tout le sol, etc., on va tout enlever, on va en profiter. J'avais déjà dû le dire, je crois, dans la vidéo où j'ai installé mes sièges. Mais si vous faites un nettoyage comme ça, ça prend pas beaucoup de temps, surtout sur des vieilles voitures comme celle-ci. Enlever les sièges. On va faire ça juste après. C'est super simple. Donc pour l'instant, on fait un petit time-lapse. On démonte les sièges et c'est parti. T'en occupes ? Allez, alors voilà, démontage des sièges, c'est super facile. Mais non, mais je suis obligé d'enlever. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait mon stabilibili là? Stabilibili. Voilà. C'est bien, elle a un gant, mais pas sur la bonne main. Ouais, mais c'est toi qui me l'as mis tout à l'heure. Mais oui, mais c'est un gant droit de toute façon. Allez, jusqu'au bout, allez. C'est bon, allez, on fait les quatre. Allez, là, faut forcer. Allez, allez, non, allez. Pas, je suis pas en face en fait. Allez, tire vers le haut. Hop là, c'est bon. Avance ton siège à fond. Voilà, plie-le. Voilà. Et là, t'en as. Sur le côté. T'en as. Non, là. Non, surtout pas. Ah, t'as des cales. Allez, force. Avec deux mains. Tu tiens en haut. Non, j'y arrive pas. Oh. À demain. Il faut que je tire. À demain, oui. À demain. Pas... À demain. Aujourd'hui, mais à demain. Non, j'ai. Si, vas-y. Allez. Voilà. C'est bien, tu commences à piger. Encore plus simple, tu tiens, voilà, tu tires là, tu tiens et tu reviens, voilà, t'as pigé, comme ça il est plus facile. Voilà, maintenant tu peux retirer ton siège. Non, Lionel. Allez, homme. On a bien fait de l'enlever. On lui va dégager et en fait, le but, c'est de récupérer mes anciens sièges. Parce que lui, bah, vous voyez, il est éclaté. C'est où que ça t'avait fait mal? Là, là. Là, il n'y a plus de mousse, c'est le métal directement. On récupérera les rails parce que ceux-là, ils tiennent, mais ils sont morts. On a bien fait de l'enlever parce que c'est un peu cracra en dessous, c'est chiant d'y accéder sans ça, donc on va faire un nettoyage moquette, tout ça pour que ça sente bon partout. Allez, je démonte le deuxième en speed. Très important, on remet les vis. Bah non, moi je les ai mis dans ta boîte. Non, faut les laisser à côté de là où tu les enlèves. Ah bah moi je les ai toutes mises dans la boîte. Marrant, s'il te plaît. On a remis les vis là. Et là, il y a les vis partout. Imagine si j'avais eu l'intérieur noir, j'aurais été trop jaloux et je t'aurais fait chier à vie avec ça. Oh des vaches. Wow. Ça va, en soi elle est un peu propre quand même. Il avait quand même pré-nettoyé, il a pas eu le temps de tout bien faire, mais. Ouais mais tu vois, elle est pas moisie en dessous. Par contre, moi j'aimerais bien avoir les trucs pour la ceinture là, pour bloquer. Ah, des clips. J'en ai marre d'aller. Ouais, c'est vrai, y a pas ça sur les anciennes voitures. Oh, quoique, tu sais quoi, non, on va enlever l'arrière aussi. C'est si facile que ça? Bah, c'est une vieille voiture. Hein. Non, sérieux, t'as juste à. Bah oui. J'aime bien, je dis que c'est facile et là ça devient difficile. C'est bon, j'ai trouvé, regarde, c'est un truc à la con. Là, il y a une vis. C'est pas moi qu'il faut filmer. Ah non, mais là, cette tête, c'était. Comme ça. Ouais. Énorme. Oh, ça va, c'est pas si pire. On a toute la forêt, mais. Vous êtes le roi de la forêt. Et par contre, les mousses. Attention à la mousse. Elles ont 32 ans. Hein. Mais je pensais pas qu'il y avait si peu de mousse. Qu'est-ce que c'est ça? Ton réservoir d'essence. Ça, c'est ta pompe à essence. Ah ouais? Je remets la vis là. Et pourquoi on y a accès via là? Bah, faut bien qu'elle soit quelque part. Oh! T'es riche! Ah, trop bien. 2,50€. Attends, elle date de quand? Bon, ça veut rien dire, hein. 2001. Il y a peut-être moyen qu'elle soit neuve de 2001, les deux. Hein. Incroyable. Oh! 2001 et 99. Et il y a peut-être moyen que ça fait 31 ans qu'elle soit. Non, ça fait 21 ans qu'elle soit là, les pièces. 22 ans. Incroyable, ça a jamais été. Tu veux aller chercher la balayette? Ouais, je veux bien. Et maintenant, un petit moment ASMR. Attends. T'es pas fait pour faire de l'ASMR, toi, pardon. Ça fait mal aux oreilles. Alors, que pensez-vous de l'ASMR? Vous savez, c'est super chiant. J'ai pas assez de rallonge, donc faut que t'ailles là-bas. Ah non, mais je pensais vraiment que t'allais m'aider en fait, genre qu'on allait pousser. Ah non, tu démarres et tu vas là-bas.
Ah non, 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 non. Ah, si, si, si. Tu veux la pousser? Ben ouais, je pensais qu'on allait la pousser. Oh, mais c'est plus rigolo. Là, tu peux rouler bas au moins. Oh, mais je vois déjà pas la route, alors si je... Bon, bah, pousse alors. Je connais cette théorie, oui. Ah, ah tu fais nain. On dirait Kevin, 20 ans. I don't even want the Civic, please. Kevin, 20 ans, 1m12. Et ça, c'est ce qui se passe quand tu conduis une voiture. Alors, il va falloir retravailler les transitions de téléphone. C'est pas fluide, là. T'aspires ou j'aspire? Bah, les deux. Je t'aspire. Ça, t'as pas le droit de dire sur YouTube. Ah, merde. Et en anglais, on dit je souffle. Alors là, on a pris... C'est quoi? C'est... Ah, bravo. Action, machin. Textile cleaner, machin, truc. Bon, on trouve les mêmes partout, je pense. Mais très important, faut secouer. Bien, bien secouer. Ouais. Hein, avant de... Pour que ça sorte bien. Ah tiens, t'as plus l'habitude que moi. Ah, mais non, la main gauche, j'arrive pas. Et puis on voit qu'il y a des trous. Ça, j'avais pas vu avant avec la saleté. Bon, du coup, j'ai testé celui-là, marque repère là. Ça marque quand même mieux que ceux d'action. C'est vraiment plus smooth. Bon, maintenant, on va laisser tout ça sécher. Pas un méga nettoyage, un detailing. On fait comme on peut avec les moyens qu'on a, sans avoir trop préparé ça, tu vois. Donc là, pareil, on va laisser agir un petit peu parce que ça, c'était un peu plus sale. Les sièges, on va même pas s'en occuper parce qu'on va les changer tout de suite. Là, vous voyez, là, on a des sièges gris clair. On va mettre les sièges gris foncé que j'avais dans ma Civic à moi. Et on va intervertir les rails. Donc là, on laisse sécher, on va manger, on finit le nettoyage. Oh, elle est incroyable. Merci, ma chérie. Qu'est-ce donc? Devine. Y a pas de bulle? Non. Bon, je t'aime un peu moins, mais je t'aime quand même. T'es un hectare de trucs. Je suis abricot. Ndoulela, tu me sens épanoui. On va faire que la moitié. Là, on a le côté sale. Là, on a le côté propre. C'est pas... Parfait, ouais, si on peut gratter encore un peu. Mais déjà, on voit le rendu, je suis plutôt content. Alors, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que le fait d'avoir mis le produit, ça va faire sortir des taches. Là, on a vraiment laissé agir, on n'a pas du tout frotté sur celle-là. On va refaire un pchit, on refait un gros frottage et on remonte ça. Parfait, en fait, ouais, on a laissé agir, c'est ressorti. T'as pas vu, toi? La tache, elle est ressortie et en fait, c'est parti tout seul. Du coup, on n'a pas eu le temps de manger. Donc, là, on va manger parce que là, je crève vraiment de faim. Pardon. Tiens, regardez qui c'est qui est venu nous faire un coucou à la maison avec son nouveau pick-up. Il a craqué. Petit Ranger Wild Track avec une déco sur mesure. Ça, c'est cool ce qu'il nous a fait là. Gros flocage weave wrap là. Et on peut pas te louper, hein. Donc, encore une fois, si vous voulez faire un covering, que ce soit à la voiture, la moto ou même dans votre cuisine, salle de bain, un truc comme ça, il peut vous le faire. Oh, toi aussi, t'as le démarrage à distance. Ça, c'est vraiment un truc de pick-up, ça. Voilà, hop, chaussettes. Ah, ça sent bon, c'est génial. Bah voilà, du coup siège tout beau, tout propre. Je suis content. Les parois, pareil, tout propre. Là aussi, on a bien bossé. Qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est bien, ça fait. Ça sent bon déjà. Ouais carrément. Bon, on va se laisser là-dessus. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à l'Instagram de Noémie, au mien aussi. Allez voir mon TikTok parce qu'on a fait de l'ASMR, c'est incroyable. Allez vous abonner à Weave Wrap, très important. Prochaine vidéo, ce sera les sièges. Ce sera aussi l'installation du CarPlay qui va être juste en bas là, qu'on va mettre tout à l'heure. Tiens, l'autoradio d'origine quoi. Non mais c'est vraiment d'origine. Merci à tous d'avoir regardé, on se retrouve très vite. Ciao. Allez.